parler ou une autre capsule. Bon, la saison d'ours commence au printemps. Au début, comment tu fais ou qu'est-ce que tu mets dans ton site pour commencer à apporter tes ours? Si c'est un nouveau site, on y va avec l'odeur assez, un petit peu plus fort. OK. Pour vous attirer, parce qu'un ours, ça sent beaucoup. OK. Puis, si vous n'avez pas de senteur, c'est sûr que c'est pas. Vous n'irez pas chercher des ours à 3-4 km, là, ou à peut-être en avoir, tu sais. Mais ça prend de l'odeur, beaucoup d'odeur. Sans vouloir dire qu'ils vont, ils vont se nourrir de cette odeur-là, OK? C'est que ça soit il y a de la viande qui est fermentée ou quelque chose comme ça. Puis, ça donne pas grand-chose. Mais ça prend de l'odeur pour les attirer. Puis, quand ils ont commencé à venir à vos apports, bien là, c'est des gâteaux. Ça, c'est ça, de préférence, des gâteaux. Ou des restants de table, ça. Ça va faire quelqu'un qui. Je veux dire qu'il va être. Qu'il n'y a pas de gâteau à sa portée de main. Ça, le meilleur, c'est du sucre quoi, avec ça. Si c'est une vieille appât, comme moi j'ai des appâts que ça fait 30 ans qu'ils sont dans le même endroit, soit dans ce temps-là, on dirait qu'ils sont habitués, les jeunes ont été élevés là, c'est pas mal plus facile, puis ça va pratiquement plus ça mettre de nourriture. Mais plus vous allez avoir un appât qui est vieille, n'ayez pas peur de que ça se passe un an, deux ans, hop, ça vient pas. Mais à un moment donné, ça va embarquer, puis vous la gardez pour plusieurs années. C'est l'habitude. Exactement, comme l'Oréal. Exact. On en regarde, on fait une saline, c'est le même principe. C'est le même principe. Mais c'est pas juste dans un dessin animé que le sucrage est bon pour l'ours. Non. Dans la vraie vie, c'est comme ça. Exactement. C'est sûr que. Puis en plus, ce que vous avez, c'est que il y a beaucoup plus de femelles qui vont manger le sucré. Puis les mâles, ben, dans le temps de la chasse, ils vont suivre quoi? Les femelles. Exact. C'est sûr. Si vous apportez juste avec la viande puis ces choses-là, il va y avoir juste les mâles. Puis là, si le rut commence, c'est fini, ils sont partis pour les femelles. Les femelles, vous n'avez pas sur votre territoire, ben là, vous n'avez pas son visite. C'est exactement comme dans l'orignal. Exactement. Les femelles, c'est le même principe. Ah oui, la chasse, c'est de la chasse. OK.